j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du soin du visage. Vous savez qu'il y a plusieurs routines soins, il y a celle du matin et celle du soir. Nous, aujourd'hui, on va parler de celle du soir. Alors, celle du soir, elle est très très importante. Alors qu'est-ce que c'est la routine du soir? Se démaquiller au quotidien, c'est très très important. La plupart, je sais, même moi, parfois je le fais pas. Pourquoi? Ou parce qu'on rentre tard, ou parce qu'on rentre, on fait autre chose, on n'a pas le temps, ou il y a plusieurs, chacune d'entre nous a une excuse. Et même celle qui ne se démaquille pas, c'est très important le soir de se passer une lotion sur le visage ou tout simplement de se laver le visage. Pourquoi? Parce qu'il y a la pollution de l'air, il y a la clim par temps de chaleur, il y a beaucoup de choses qui font que les pores de notre visage se bouchent et par la suite on a le teint qui devient terne, on a des boutons, on a la peau qui graisse. Puis bien sûr, garder le maquillage toute la journée, on a le fond de teint, la poudre, le fard ajoute pas mal de choses sur notre visage, plus la pollution comme je vous ai dit, et plus le soir on dort sans se démaquiller. Vraiment, c'est très 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 mauvais. Cela accélère les rides aussi. Comme je vous dis, la peau devient terne et c'est très important de se démaquiller tous les soirs. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs produits, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps, il y en a vraiment pour tout le monde, à vous de faire votre choix. Mais en tout cas, c'est très très important de prendre ce choix-là, de se démaquiller tous les soirs sans exception. C'est une très grande routine pour prendre soin de son visage et puis prendre une journée sans se maquiller pour laisser la peau respirer. En tout cas, je vous laisse regarder. J'espère que la vidéo vous plaira et on se voit très très bientôt. On va commencer par cette serviette qui est conçue spécialement pour se démaquiller, qui est vraiment très pratique et surtout ne prend pas beaucoup de temps. Ça, c'est vraiment la serviette démaquillante pour la plus feignante d'entre nous. Très simple d'utilisation, comme vous voyez, on la mouille, on la passe sur notre visage, démaquille très très bien et après plus qu'à rincer et la laisser sécher. Et voilà. La lingette démaquillante aussi que vous connaissez très très bien et en plus c'est une rapidité extraordinaire, il n'y a pas besoin de passer trop de temps devant son miroir et démaquille très très bien. Et là on a la crème nettoyante, c'est un savon mais qui est sans savon, c'est un pH neutre qui l'a vraiment en douceur, hydrate. Et en même temps démaquille parfaitement bien. Alors moi je l'utilise avec une brosse nettoyante, tournante, d'ailleurs ça se voit que je l'ai pas mal nettoyée, ou tout simplement on l'utilise juste avec les mains et pareil ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça nettoie vraiment en profondeur et ça hydrate. Moi j'utilise cette marque de chez Rituals que j'adore, vraiment ça laisse la peau très hydratée et ça ne tiraille pas une fois qu'on a rincé. Et là, c'est pour toutes celles qui aiment prendre du temps et bien faire et parfaire sans démaquillage. On a tout simplement le lait. J'ai toujours aussi la marque Rituals. Vraiment, j'adore. Si vous avez l'occasion d'aller les tester, n'hésitez pas. Allez, démaquillant très doux pour le visage à la fleur de lotus et pour bien bien parfaire l'ensemble du démaquillage, j'utilise à chaque fois la lotion. J'aime beaucoup ces produits là parce que franchement, que ce soit le savon ou le lait ou la lotion, laisse la peau vraiment très hydratée, ne tiraille pas et bien bien démaquille. Et là pour toutes celles vraiment qui aiment prendre 5 minutes de plus par rapport à la lingette ou à la serviette démaquillante, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est un plaisir, moi j'adore me démaquiller aussi de cette façon là. Je vous conseille à chaque fois que vous finissez votre démaquillage
d'utiliser une brume hydratante qui va apporter encore plus d'hydratation, plus d'eau à votre peau, ou une brume eau pure qui va vous hydrater, rafraîchir et en même temps retirer ce calcaire d'eau du robinet, surtout si vous vous lavez le visage après le savon démaquillant. Et voilà, vraiment il y a de tout pour tout le monde, qu'on soit pressé ou pas, il n'y a pas d'excuse pour se dire je n'ai pas le temps de se démaquiller. Comme vous avez vu, on a plusieurs choix et plusieurs produits, vraiment plus d'excuses, à vous de jouer.